Salam alaikum, Sidirat. Nous sommes une association qui regroupe les talents, les opérateurs économiques de tout le pays, de toute la communauté établie à l'étranger. Donc on a par exemple Périel qui vient d'Autriche, Nabil qui vient du Luxembourg, Nadia qui vient de Paris, et on en a d'autres. On a ouvert un bureau à Abu Dhabi. Et donc nous, notre objectif, c'est de créer des passerelles, mais uniquement sur le volet économique, entre la communauté établie à l'étranger et la communauté nationale. Je souhaiterais, Besh, Maasimoula, le chef du gouvernement, qu'on fasse au moins une fois par an des assises de l'immigration algérienne dans tous les secteurs. Ça va de la médecine jusqu'à la petite entreprise, jusqu'à en passant par beaucoup de choses. Donc, vous êtes partie prenante de ce qui se passe dans le pays. Ça, c'est clair. Donc, la séparation même, si ce n'est la séparation géographique qui s'impose d'elle-même. Mais moi, je ne différencie pas d'une Chabab Tanana ou Chabab Lé. Vous êtes une force créatrice. Le pays a besoin de vous. Le pays est à vous. Monsieur le Président, un dernier mot. Tous les membres de la communauté établie à l'étranger, pas seulement les membres de diaspora, sont très reconnaissants parce qu'ils voient l'affection et l'attention que vous portez à la communauté établie à l'étranger. Un grand merci pour ça. Il y a longtemps qu'on les a ignorés. Maintenant, il faut qu'ils sentent qu'ils sont partie intégrante de la patrie. Même s'ils habitent loin, c'est pas grave. Le cœur est là. Le cœur est là. Merci beaucoup. Il est là, il demeure là. Merci. Merci, monsieur le Président.